Bonjour à tous et bienvenue sur du Attack of the Big Team. Alors, c'est pas spécialement une vidéo pour ce modpack. Je vous en ferai une plus tard pour justement ce let's play. Je risque de le faire avec... vous voyez le nombre de morts à droite? Bah, on a un top, c'est Yuki Block. Mais je ferai une série avec Crapule, AK, sans doute des autres. Il y a Idorok qui nous a rejoint également, à peine hier, donc voilà. Mais spécialement, la vidéo aujourd'hui, vraiment physique aujourd'hui, c'est vous remercier de quelque chose que je pensais jamais trop y arriver. Spécialement, c'est pour les 1K. Ça fait quelques jours que j'ai dépassé la barre des 1K et je vous en remercie du fond du cœur. Sincèrement, je pensais pas du tout y arriver. Clairement, je ne pensais absolument pas, donc je vous en remercie énormément. Il y a quelque chose qui va se faire. Justement, je vous donne rendez-vous le 6 mars à 21h sur le serveur The Phoenix Rebirth. Bien sûr, il y a le lien du serveur dans la description, vous verrez tout, il y a tous les détails. Et voilà, mais ça fait bizarre, hein, mais ça fait vraiment bizarre d'avoir dépassé la 1K actuellement, donc je vous en remercie énormément. Notamment, on va dire, il y a pas mal de... comment? Ouais, vous avez vu, il y a des dragons un peu partout en fait, c'est Poudlard ici, c'est une pouche. Il y en a plein partout, ici des remontées de slim, hein, avec des coffres, hein, ainsi de suite. Des cannes à sucre et autres, cannes à sucre et bambou, voilà. Donc ça c'est le mode pack, je l'ai découvert grâce à Fanta. Mais on a lancé le serveur juste avant, donc voilà. Serveur privé, aucune demande ne peut être faite, c'est comme Newcube et autres trucs. Et je vous ai concocté aussi du fait que je suis absent ce week-end. Je mettrai cette vidéo, je crois, demain, vendredi en fait. Hein, donc, pour moi, c'est demain. Mais, waouh, wow, c'est beau. Oh, c'est bien beau ça. Pas con. Peut-être qu'il va faire une petite toiture, je ne sais pas. Moi, il faudrait que je la fasse d'ailleurs. Mais moi, je suis ancré complètement dans la montagne. Donc, on a fait des champs, on a fait tout. La musique va te faire en papaouté, voilà, ça c'est fait. Voilà, donc 1000 abonnés c'est énorme, ça me fait extrêmement plaisir. Et encore, ce n'est que le début, hein, parce que je pense que ça va arriver encore plus rapidement. Là, je suis déjà... ok, bonjour. Pas mal au-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Moi, je vais me transformer en petite chauve-souris. Bonjour. Youhou. Voilà, comme ça je peux passer. Hé, hey, le zombie, tu viens? Non, tu veux pas? Bon, tant pis. Du coup, voilà. On va aller dans le... hier, j'ai fait le beacon. Le beacon, j'ai eu les trois têtes en à peine une heure, hein, donc c'est vraiment extra. Moi, je mange ça, allez, hop. Rien à foutre, je mange mes fruits. 5 fruits et légumes par jour, sauf que là, j'en bouffe 10, voire une quarantaine par jour. On s'amuse aussi avec des guns, hein, donc vous inquiétez pas. Des fois, il y a beaucoup de morts, c'est à cause des guns. À cause de Turtle, surtout. C'est surtout pour ça. Ah là. Bon, est-ce que j'ai assez fini de manger, là? Non? Ouais, là, j'ai fini. Ok, hop. On va aller dans le laser. Oh, des golems. Des golems. Pourquoi il y a des golems? What? Ok. Ouais, normal. Je sais pas pourquoi, mais il y a un golem. Bon, on va aller dans le Nether, on va récupérer quelques têtes. Donc voilà, on fera la vidéo. Tout est prévenu chez... comment? Ok. Il y a une araignée dans... Oust. Oust. Bon, bah t'es oust. Voilà. Du coup, on va aller dans la forteresse là-bas. On va chasser quelques têtes en plus, hein. Y'a pas de raison. Hop. Les gastères, c'est génial. Voilà, voilà. Et puis, ça fait plaisir. Franchement, c'est que le début. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Ce n'est que le début. Je pense que ça va arriver très vite. Il y a du KTP qui arrive justement mi-mars.
Donc là, je pense que ça va être l'explosion abominable d'abonnés. C'est pas plus mal, moi ça me dérange pas, au contraire, ça me fait toujours plaisir. Puis j'aime bien les commentaires. C'est bien. Évidemment, comme toujours, à chaque vidéo, j'arrête pas de bâiller, même si j'ai bien dormi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est mon cas. Ça m'énerve ce genre de choses, c'est que j'arrête pas de bâiller. Quand je parle, je baille en fait. J'avais découvert cette forteresse là, sauf que cette forteresse là, en fait, il n'y a rien dedans, il y a très peu de withers. Du coup, ça ne sert absolument à rien. Par contre, sur la forteresse que j'ai nommée, pas encore celle-là, mais encore une autre plus loin, elle est mieux. Vous allez voir pourquoi elle est mieux, parce que, notamment... Oui, ça va le gast, j'ai compris. C'est que, voilà, elle est grande. Elle est franchement très très grande. Ça n'arrête pas de spawner de partout. C'est ça qui est bien. Vous voyez, il y a déjà un wither. Tu viens ? Voilà, il est mort. Hop, puis je récupère tout ça. Allez, viens le slim. Youhou ! Plouf, voilà. Hop, je suis content. Du coup, je vais farmer quelques wither, hein, parce que YOLO. Je vais pas toucher le pig zombie. Voilà, en deux coups de rapière, le wither il est mort, puisque je donne environ 9,5 coeurs par coup. Et plus on tape vite, avec plus on en donne. Donc le wither, comme je l'ai fait hier, je lui ai mis 3-4 coups, il est mort. Hein. Bon, en même temps, j'ai bu une strength 2. Hop. Puis comme j'ai fortune 3, bah du coup, ça va nettement plus vite, puisque voilà. Vous êtes où? Hop. Puis je récupère des bâtons entre temps. Hein. Ça fait toujours plaisir. Tiens, il y a encore des wizards là-bas. Je vais aller m'en occuper, tiens. Bonjour. Oh bah j'ai une tête. Oh c'est bizarre, j'ai une tête. Oh. Oh mais c'est ballot. J'ai ma première tête. Non ma quatrième tête. Hein. Le beacon c'est moi qui étais le chercher hier. Oh ça va tirer vite là. Non mais... Alors ça c'est des muscles hein, mais les muscles j'en ai pas l'utilité. Personnellement. T'es où Blaze? Voilà. Donc vous voyez comment on massacre justement de... des Withers en ayant une rapière de Tinker Construct. Donc si vous voulez, je peux vous refaire un petit tuto sur ce mode. Sur ce mode. Qui est extrêmement bien puisque on peut faire du auto repair dessus qui permet justement de merci la bouboule de bah une deuxième tête encore. Ah, un petit coup de lag, attention, est-ce que je vais m'en prendre plein la gueule? Non, oui, j'en sais rien. Apprends à viser. Yeah. Et des poumons. Donc je ne sais plus c'est quel mode qui rajoute ça, mais c'est plutôt pas mal. Non mais apprends à viser toi, hein, franchement. Vous voyez, j'ai déjà deux têtes. Deux têtes en quoi? En quelques minutes à peine. Franchement, c'est rien. Je pourrais faire Manreal Factory pour avoir des... Coco le casque. Pour avoir des têtes et des wizards en continu, mais c'est de la mauvaise essence qu'on n'a pas assez d'énergie pour. On n'a pas tous les modes qu'on a dans FTT pour pouvoir le faire. Faudrait que je le fasse d'ailleurs en FTT, la ferme de Wither, mais en même temps je n'ai pas vraiment l'utilité, sachant que j'ai déjà un beacon, ou que j'en vois pas trop l'utilité de le faire. Ouais, alors des fois ça glitch littéralement. Je ne sais absolument pas pourquoi ça glitch autant, mais bon. Apprends à viser.
Voilà. C'est buté. Lui, je l'avais pas vu, le Weezer. Sinon, je l'aurais déjà tué. Mais je l'ai absolument pas vu. Tu viens, toi? Wouah. Ah bah non! Ah bah, t'es... Bon, ça va, il y avait pas de loot de tête. Oui, des fois, ça glitch littéralement, c'est que les mobs restent en hauteur. On... Je ne sais pas pourquoi. Là-bas, je vais pas y aller, il y a des trucs là. Salut le gars. Le gars, il reste toujours au même endroit. Vous venez, Coco? Eh, ta gueule. Alors, des fois, je dis des insultes, hein, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est... moi touché. Alors, toujours faire attention quand on fait avec la touche de drop, parce que des fois vous pouvez looter la tête. Et en bas, bah, vous êtes sûr de pas la récupérer, à moins si vous plongez avec. Et encore, c'est pas sûr. Ouais, le gars, ça va le... Ah. Oh, putain. Ok, merci pour les flammes. Ça fait toujours plaisir. Bon, le cast là-bas, je vais te tuer parce que tu commences légèrement à me les casser. Légèrement. Ouah, c'est l'invasion de Blaze ici. Oh, mais il casse les couilles. Non, j'ai toujours pas mes têtes. Hein. Par contre, des bâtons de Blaze, tranquille. Hein, également, vous précisez que je serai sans doute dans FTP 3 quand il sortira. Donc voilà, c'est au mois de juin. Hein. Ça a été annoncé au mois de juin. Donc, je pense être dessus justement pour s'amuser entre nous. Voilà. Alors, je pense qu'on choisira, je demanderai confirmation, mais en mode pack déjà sorti. Comme ça, vous pourriez jouer avec le même mode pack. Voilà. Sur ce, messieurs, je vais juste vous laisser faire une ellipse, histoire de d'avoir ma troisième tête. Et on se retrouve pour le Weezer. Allez, à tout à l'heure. Bah j'ai trois têtes. Eh bonjour à tous et re plutôt. C'est que j'ai les trois têtes.
têtes, voilà. Ça fait plaisir d'avoir les trois têtes. Donc, je vais juste péter ça pour avoir un accès à le truc là, le buter. Peut-être en avoir une quatrième. Putain, je l'ai pas vu, lui. Ah, ça m'énerve, ça. C'est quand je les vois pas à cause des particules, c'est chiant. Mais bon, c'est le jeu. Hein. Alors, attendez. Je vais le retirer, animation minimale. C'est légèrement chiant, c'est des bibules. Voilà. C'est bien, en tout cas, je récupère des os. Même si on a une truc à... Comment ? Une ferme à os, hein, donc la tour à mob. N'empêche que c'est quand même bien pratique d'avoir... Oh, bonjour. N'empêche que c'est bien pratique d'avoir quand même des os comme ça qu'on était les chercher à la main. Je ne pense pas que je vais encore réussir à avoir des têtes hein, supplémentaires. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut en faire des têtes? Oh. Oh. Right for bad killing. Ok. En faire, ouais, bah des feux d'artifice, ça c'est de Minecraftania, mais sinon c'est ça. D'accord, on peut en faire Dubstat Gun, mais version Wither. Oh, et ça m'énerve ces bugs graphiques, c'est dingue. Bon, bah ça fait rien, je vais tuer les deux autres ou les trois autres qu'il y a là-bas. Voilà. Hop là. Au revoir. Bon bah une belle récolte quand même hein. Regardez tous les os. J'en ai quasiment 3 stacks. 2 stacks de coal, 23 de nécrotique. Ouais la gun je m'en fous, ça je m'en fous. Ça des bâtons j'aime bien. Et puis ça aussi, bon bah ça fait une très belle récolte hein, qu'en dites-vous. Je viens d'apercevoir qu'il y en a encore sur la map des Wither. Je ne sais pas où, mais il y en a. D'accord, il y en avait là. Apprends à viser. Ah, je pensais que c'était un. Comment ? Un méchant méchant Wither, mais non. Ouais, on va faire encore cela, je sais pas. Non du tout. Ouais, bon, on va le faire. Tant que je trouve des Wither, moi sur le chemin, je bute. Hein, ouais. Oh bah salut toi. T'es tout seul? Ok, c'était de la merde. Bon, allez, hop, on y va. On va rentrer, on va préparer tout pour le Wither. Oh bah non, on va même le taper maintenant. Hein, quand du coup j'ai de la régène, j'ai tout ce qu'il faut. Bah c'est cool. Bon, on va faire le buisson ensemble. Hop. Donc, je vous retrouve juste quand j'ai récupéré toute la soul sand et la. Et voilà quoi. En clair. Et re tout le monde. Donc, on était sur le point de massacrer le Wither. Donc du coup, je me suis trouvé un petit emplacement là-haut qui me permet justement d'activer notre Wither. Donc tac, tac. Voilà, je vais prendre ma... je vais prendre déjà ça, comme bouffe. Je vais prendre la potion de régène.
Voilà. Je vais faire 2, 3. Voilà. Je vais me mettre dans le coin. Et boum! Voilà. C'est type Bignon. Hop. On, off, 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 off. Voilà. Bon, il a pété un peu plus, mais c'est pas mal. Chez Wizard, encore combien, moi? Je crois que je vais crever, en fait. Je pense bien que je vais crever. Ah non. Heureusement que j'avais régène, hein. Putain. Heureusement. Mais du coup, voilà, il faut toujours avoir de... comment? Un seau de lait sur soi, une bouteille de lait, ce genre de choses, en fait. Hein. Donc voilà. Bon bah sur ce messieurs, comme j'ai ma Nether Star et puis j'ai déjà tout ce qu'il faut, le beacon et autres. Donc je vais vous laisser, voilà, hein. Je vais juste me remettre en épée forte. Pouf. Pouf. La Nether Star dans la main. Donc dans la Nether Star on peut faire ça, mais on va faire ça. Je vous dirai pourquoi on a besoin de ce truc là. Et de ce bâton là pour réussir à faire ce qu'on voudrait faire en fait. Bon, vous avez compris. Faut vous faire une vraie vidéo et puis voilà. Allez, sur ce messieurs, je vais vous dire bye bye tout le monde. Merci d'être abonné et puis amusez-vous bien. Ciao.